Nous entrons à présent dans la route maritime du Nord. Il y a une ligne de démarcation entre la mer de Kara et la mer de Barents. Techniquement, nous sommes à 25 km environ de la côte, ce qui nous place dans les eaux internationales et nous donne le droit de passer innocemment à travers ces eaux. En ce moment, l'Arctic Sunrise traverse la route maritime du Nord, malgré les tentatives des autorités russes de nous écarter. Nous allons montrer les dangereux forages pétroliers dans le parc national de l'Arctique russe. Il semble que les autorités ont quelque chose à cacher. Nous allons ici pour nous documenter et le montrer.